Un, dos, tres y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Te vaya, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo pa' roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. Un gros merci à Maryse d'avoir fait la démonstration avec moi. Alors, on fait une bachata qui s'appelle Camela Bachata. C'est une danse de Madame Aprilia Mularwati. Alors, il y a la partie A, la partie B, la partie C et une transition aussi, là, et la petite finale. Alors, on commence par la partie A. Pied droit, on va pointer en avant, pointe en avant, pointe de côté, et on va croiser en arrière, on va de côté, et on croise en avant. Évidemment, ça va quand même très, très vite lorsqu'on fait les croisés, là. Donc, les pas ne sont pas tellement grands. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est quand même assez rapide. On fait le même principe avec pied gauche. Pointe en avant, pointe de côté, croisé, côté, croisé. Donc, si on le refait, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Rendu ici avec le pied droit, on va balancer en avant, 1, 2, et on va faire un coaster. Donc, on fait en arrière, assemblé en avant. On fait le même principe avec pied gauche. On va balancer en avant, 5, 6, on recule, coaster, en arrière, ensemble, en avant. Alors, si on fait les deux parties, pied droit, on va pointer, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, on balance, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8.
On poursuit avec une diagonale avec pied droit. On va aller face au coin gauche. Donc, 1, 2, 3. On lève le genou 4, pardon. Et on va tourner quart de tour à droite pour aller face au coin à droite. 5, 6, 7. Et on lève le genou à 8. Donc, si on fait seulement la diagonale, pied droit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rendu ici avec le pied droit, on va de côté et on fait côté touché. Côté touché, on va changer de coin. Côté touché, on change de coin. Côté touché, côté touché. Donc, on va en diagonale, mais il faut quand même rester face au mur un petit peu. Donc, on a fait ici 8. Côté, touché, côté, touché, côté, touché, côté, touché. Comme on peut voir à la fin, on revient face au mur. Alors, si on fait le bloc A, la partie A, bloc A, on part avec pied droit et on pointe en avant. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, on balance. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, diagonale. 1, 2, 3, 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça, c'est le bloc A. Le bloc B, pied droit, on va de côté. Côté, ensemble, côté, touché. Et on va faire pointer de côté, touché. Pointer de côté, touché pour faire le 5, 6, 7, 8. Alors, on débute avec pied droit. 7, 8. 1, 2, 3, touché. 5, 6, 7, 8. On fait le même principe en allant vers la gauche, pied gauche, chassé de côté. 1, 2, 3, touché. On va faire les pointés. 5, 6, 7, 8. Donc, même chose. Si on fait les deux côtés, pied droit, 7, 8. 1, 2, 3, touché. 5, 6, 7, à gauche. 1, 2, 3, touché. 5, 6, 7, 8. L'autre partie, pied droit, on va de côté. Côté, assemblé. On tourne un petit peu en angle. Hein? Côté, assemblé. Et on va faire chassé-croisé. 3 et 4. Côté, assemblé. Donc, on tourne encore une fois un huitième. Chassé-croisé, 7 et 8. Donc, si on a fait le toucher, côté, assemblé, 3 et 4. Côté, assemblé, 7 et 8. Alors, on va juste refaire le bloc B. On va de côté, chasser, 7, 8. 1, 2, 3, toucher. 5, 6, 7. Même chose à gauche. 2, 3, toucher. 5, 6, 7, 8. Côté assemblé, 3 et 4. Côté assemblé, 7 et 8. Rendu ici, toujours dans le bloc B, on va en avant et on va faire un piqué en arrière. Donc, en avant, piqué. On recule, on fait un toucher. Et on recule en diagonale légèrement. On fait un toucher encore une fois. On retourne en avant face au mur et on fait un toucher. Donc, il y a des huitièmes là-dedans. Donc, ça fait en avant, piqué. On recule, toucher. On recule, toucher en diagonale. Et on revient face, toucher. Alors, si on le compte, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça complète le bloc B. Peut-être le refaire au complet, c'est quand même pas facile, là. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, piqué 2, 3, touché 4, 5, touché 6, 7, touché 8. Ça complète le bloc B. Le bloc C, on va de côté, on fait un pas de côté. 1, 2, retenu. On ramène ensemble pour un toucher. 3, retenu, 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Moi, je serais porté à dire lent, lent. Donc, c'est bon les deux. Et ici, on fait du surplace. 5, 6, 7, 8. Donc, 4 pas sur place. On peut également faire un kick après le 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. La chorégraphe, le professeur qui a fait la danse dans la vidéo fait un petit kick. Les autres danseurs ne le font pas. Donc, les deux sont bons là. Et on fait le même principe en allant vers la gauche. Donc, 1, 2, toucher 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut également faire le petit kick.
1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et pour faire deux fois la même chose. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc, on fait deux fois chaque côté. Ça, c'est le bloc C. La petite transition, on va de côté avec le pied droit. On fait 1, 2 retenues. Et ici, on fait un roulement de bassin 3, 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Okay? On peut également, sur la vidéo, là, dans la démonstration, 1, 2, 3, 4, je tends les bras. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Okay? Transition. Pour la finale, c'est à la fin du bloc A, quand on fait la diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va pointer à 9 de côté. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Camella Bachata. It's choreographed by Aprilia Munawati. It's a 96 count, one wall, phrased improver level line dance. There's part A, part B, part C, and a 4 count tag. So let's start with part A. With the right foot, you do touch forward, touch side, and then you cross, side, cross. So if we do the counts, 1, 2, 3, and 4. We do the same steps starting with the left, 5, 6, 7, and 8. Section 2, we go forward with the right foot, forward, recover, and we do a coaster step, back, together, forward. We do the same steps with the left, forward, recover, coaster, back, together, forward. So let's do section 1 and section 2 with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Section 3, diagonal to the right, side together, side up, diagonal to the left, side together, side up. Section 4, we go diagonal to the right and diagonal to the left, side, touch, side, touch, side, touch, side, touch. So let's do section 3 and section 4 with the counts. We go diagonal to the right, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let's do all the sections of part A, okay? 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, up, 5, 6, 7, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, part B, section 1, with the right foot, we do a side shuffle, side together, side touch. Then we touch on the side, we touch together, touch side, touch together. So if we do section 1 with the counts, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We do the same steps starting with the left foot, 7, 8, 1, 2, 3, touch, 5, 6, 7, 8. That was section 2. Section 3, we go sideways, side, together. As you can see, we're diagonal. We're facing the left corner. And we do a crossing shuffle, 3 and 4. We do the same steps with the left, side, together, crossing shuffle, 7 and 8. Section 4, we go forward with the right foot, forward, we touch behind, we go back with the left, we touch together with the right, then we go sideways, diagonal to the right, we touch forward with the left, and we go forward with the left, and we touch together with the right. So if we do section 4 with the counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So let's do all the sections of part B. So
So we go sideways, side shuffle, 7, 8. 1, 2, 3, touch, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, touch, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That concludes part B. Part C, we go sideways with the right foot, side, touch. But we do two counts on each step. So it's 1, 2, we hold at 2. Then 3, we touch and we hold at 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Then we stay on the spot and we do 4 steps. 5, 6, 7, 8. So if we do section 1, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We do the same steps with the left. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we do each side one more time, okay? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you can also add a kick after 4. You can do 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. But on the step sheet, there is no kick, okay? And there's a 4-count tag. You go sideways with the right foot. 1, 2, you hold. So it's like 1, 2, and you roll your hips counterclockwise for the 3, 4, okay? 1, 2, 3, 4. And you also put your hands each side. 1, 2, 3, 4. That's the four-count tag, okay? For the ending, it's at the end of section 4 in part A. You go sideways and diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At 9, you touch on the side. So I hope you enjoyed learning this dance with me. Take care and stay safe.